Fidèles téléspectateurs, il y a Canal Congo Télévision, auditeurs, il y a 96.8 MHz radio, Liberté, Kinshasa, Tokutani, Lissoussou, Nabijé, Nabino, il y a chaque matin rendez-vous des auditeurs, émission Nabino, population, émission Nabino, peuple, vous avez quoi d'Abissou, il y a quatre coins, il y a capitale Kinshasa, Pelibanda, il y a Mboka Grâce à YouTube, CCTV, Ralik officiel, Tozali, Ndengi, Momessa, tout l'oubila à Congo parce que Congolais n'y ont pas place à Zouami, dans quatre coins la République démocratique du Congo, puis les bandes à Mboka, à Zali na Poussa, il y a Mbongwana, changement, na Mboka, na Bisso, au Congo, des sujets au cœur, il y a Masso, na Bisso, il y a Mokolo, Alelo, on continue hein, sur la confirmation, il y a résultat présidentiel en République démocratique du Congo par la grande instance, tout grande juridiction, il y a Mboka, Cannabis au Congo, aux alliés cour constitutionnel, Félix Tshisekedi, résultat des qui confirmé au Banoka, Bazali Kozela a prêté serment tout la cérémonie d'investiture Naen, après Martin Fayou, le troisième position, Moïse Katumbi, deuxième position. Est-ce que ces débats sur l'annulation, Yamaponami est-il clos? Est-ce que Tori Koloba Mokamouya légitimité, Mokolo Yalelo Pona président, on avait déclaré vainqueur par la CENI, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tokozongela Makamwetali. Assemblée provinciale il y a Kinshasa 48 heures au Bapesaki Gentini Ngobila et pas à bureau au Kodempoi expiré Mokolo Yalelo Bengaki le gouverneur de la ville Gentini Ngobila s'il a démissionné par rapport il y a demande il y a parquet prêt il y a cour il y a cassation Bengaki au Banako pour poursuivre Gentini Ngobila pour la fraude électorale mais également détention il y a machine à voter. Comment, Bino, vous allez juger justement cette procédure aux Isala qui enclenché à niveau, il y a Assemblée provinciale, il y a Ville, il y a Kinshasa, cinq invités. C'est matin, justement, pour nous cogiter sur ces différentes questions. Tozaline, Maître Yannick Vumbi, Oazaline, porte-parole, il y a RCN, ce parti politique cher à l'homme de la grand-mère. Justin Butakwira, Ndeko, Yannick Vumbi, Mbotenayo. Mbote ndeko Maxime, mbote na ba co-débateur, mbote na ba Congolais ba Olanda biso, particulièrement mon ami de tout le temps, honorable Mac Mukeba et place Azali mbote belé, na principe ba comment dire ba soda nyonso ba Olanda biso, ba soda nyonso ba na prison ba policier ba nyonso mbote na bisaka yo, soki biso nyonso to mi kolinga mboko ndenge ba soda ba linga mboko. Les choses vont changer dans ce pays. Merci beaucoup, Tozali Nandeko, Timothée, les Noirs, les Fika. Oazali, mon collègue à cadre, union sacrée de la nation, de Timothée, les Noirs, Mbote Nolokola. Mbote Ndeko, journaliste, une fois de plus, merci beaucoup pour l'invitation. Batu Azo, Yalanda, Biso, Mbote Nabango, Batu Azo, Kabiso, Mbote Nabango. Et Ngaipe Nazo, Pesa, ma meilleure vœu, et puis salutations spéciales, Nabandeko Bazan, à prison. Particulièrement, surtout dans la prison Makala, dans le pavillon, il y a ma maman, parce que tant que tu as un prisonnier, tu as un car ma papa, mais tu as un maman, donc, mbote na bango et mbote na ba étudiant, surtout, ba étudiant, ba zaza na ba homme, na minito, ba lan d'émission, ba zo moi idéologie, à baba kendoko tako, donc voilà. Merci beaucoup, Tozaline Ndeko Floribea, secrétaire national en charge de communication, Asbel Kabila. Forever, de quoi Floribea Mbotene. Oui, na pesi mbote, moi na mboka Maxime, na pesi mbote na bande koto partage na bango plateau, na pesi mbote na ba Congolais nyonso oyo bazala ki desi, mokolo oyo uti koleka, na confirmation ya na décision ya cour constitutionnelle, je pense qu'on va passer de très bons moments ensemble avec les camarades. Merci beaucoup Tozaline Ndeko Toussaint Béa. Alliance pour le changement, il y a Ndeko Jean-Marc Kabound, Ndeko Toussaint Béa Mbote. Mbote, moi na mboka Maxime, Mbote na bako débattre na ngai et rapidement permettre na ngai na kende lombango na plusieurs makala bongo na moni président national na biso, il y a Alliance pour le changement. Ou azali bongo héros vivant, ou azali bongo le sous otage personnel, il y a Ndeko Tshilombo,
ainsi que le régime finissant OEO, le PCI Makassi, le PCI Makassi, le secrétaire général Nabiso Beli Mutono, ainsi que le cadre et le militant Nyonso et l'Alliance pour le changement. Merci beaucoup. Le père Kubongila, le candidat à la députation provinciale, n'a matété, le père cadre à Inur. Iner. Iner. Mbote Ndeko Maxime, Mbote Nabandeko Oto, Patouna Tongo Alelo. Mais je m'en vais dans ma commune dénoncer un comportement malsain dans le chef de Diabanza, mon aîné. Diabanza a servi au Kangisa, commandé à la police. Oui, ministre, il y a sujet. Bourage Naye, Moukoula, le 20 décembre. Léo Laouti, il y a la poste à la police. Il y a un commandant wana Azali na auditorat ya Mayadi. Il y a une autorité compétente pour que va s'impliquer dans les Kambouana. Merci beaucoup, Ndeko le père Bongila, 84 22 33 33 à 784 9 des numéros beaucoup ben la bopé sa macan sembino ma si vous allez colo ba mokolo ya lelo ba vous aura possibilité de rencontrer un standard t'ending mo mesano bo ko mena biso na whatsapp ya rendez-vous dès auditeurs pour qu'ils passent une minute au tango ma pour vous allez débattre tout au long de cette émission ndenge tradition exigeant une minute ya sujet isolé na chaque invité je serai vraiment regardant une minute ya sujet ndeko toi ndeko floribé. Oui. Nazo ebisa na ba congolais na sije isolé nanga na koloba yango na lolenge ya Masisi. Nazo ebisa ba congolais boye balanga nga malamu. Union sacrée ezali lokolo ozo vivre na mwasi ya sirène, ozo vivre na sirène. Akoki ko fula yo, akoki ko komisa yo bisinka oyo lingi. Akoki ko sala yo ki danger na ba façon tout. Et puis, à Koki Goliayo, à tout moment où il y a mon goût. Ce qui a la mouki, à Talia Obino, le lona en apostat Damas, Neti Kingani, à Koki Goliayo. Yami Balé, toujours na sige isolé nangai, na zopé sa adage boy. Moi naibi moussouni pour na papa. Au premier de ma cesse. Oui. Bazo landa moi na mbangu, moi na wana yé, a komi na maboko à papa, a pessier moussouni na maboko. Bato e babandego la na mwana bakoti bakuti papa na musuni me bakangi mwana batiki papa na musuni na maboko olie ba boto la ta musuni na maboko a papa baboyi e musuni wana nde basaleli yango feti ya bonane me mwana basakrifie ye eza toujours na comportement ya bandeko ya union sacrée. Balobaka mokonza yi bakate. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Patricia Kate, Patricia Lakaye. Merci beaucoup, Ndeko Flori Béa, Toussaint Béa. Merci beaucoup, mon amour Maxime. Si j'ai un gars isolé à mon connalelo, na koibsa na Ndeko Chilombo, ou à la raka ba policier, à la raka ba militaire, qui a refouté à ba mon $400 ba rosa la nanda, ba rosa la mituka. Mais le lot, nous avons constaté que les soldats, les policiers, les professeurs, ils ont mis foot à Paris foot. Au moment où les policiers ont été sikanaye à Moussala, ou là, j'ai été sikanaye à Moussala, ils ont mis foot à Paris foot. Alors, ils ont dit que les policiers ont été sikanaye à Les policiers, topé soldats, ils ont mis foot à sa valeur. Ils ont honoré la mboka oyo. Pambate, Avec ce jeu d'azard, on a dit que les policiers ont gagné 1000 francs, 62 millions de francs congolais, Merci beaucoup, Ndeko Maxime, merci beaucoup, Ndeko Toussaint Béa, le père Kubangila, merci beaucoup, Ndeko Maxime, merci beaucoup, isolé na ko marteler toujours sur la libération ya commandant ya la police. Je pense que le ministre de l'Intérieur, yomut otaki ba policier na ba centre de vote pour que ba surveiller ba déroulement ya ba scrutin. Mais tango quatre moro ya IDPS, comment on a été azaki na chance ya ko lekate ayeko bourré ba ir na campus scolaire Angelia,
a vandalisé bah il y a bah isoloir il y a il y a Séni. Alors commandant la police, j'ai la vidéo. Commandant la police, j'ai la vidéo, cher Maxime. Est-ce que vous avez le temps, Maxime, bah tu n'as pas oh bah invalidé, bah d'accord oh bah pourquoi il m'a irrité. Il y a là quoi dans tout ça ma cala. Les vrais criminels bah les bandas, mais les innocents sont en prison. Même mon Ndeko Diabanza, Ndeko Diabanza devait être sur la liste bah invalidé parce que le commandant y est mon cousin le bateau Diabanza a y est copanza du loco la Séni. Mais la monnaie bah le bateau oh le bateau sanctionné. Ils ont sur pour vandalisme, bourrage, esprit, menace sur les agents de la Séni. Mais comment le commandant a dénoncé qu'un comportement wana mais l'élo a lui qu'au foot a pris a lui na au littoral y'a Mayadi vraiment leader personnel fait privé Ezali institution t et le chef de l'État Azali président leader personnel Azali président de la République. Merci beaucoup. Il n'a pas été voté par les militaires de l'IDFS mais plutôt par les Congolais. Merci. Alors je demande la libération immédiate Yandeko commandant wana na au littoral y'a Mayadi. Merci beaucoup le père Kubongila, notable, hein, il y a Komine, il y a Matete. Donc, si vous êtes les Noirs, une minute à sujet isolé. Non. Une minute à sujet isolé. Dans les gars, il y a des gens qui sont partis à mon amour, Kajama Kaboun. La constitution ne permet pas de service à sécurité. Baloba. Ni policiers, ni DGM, ni armée. Et ça plutôt mon sala ou yozo sala, évidemment ça veut dire biso ba politicien to réclamer ba droit na bango, mais bango ils sont condamnés à secret muto tout aza ya renseignement za soda a koki ko se plaindre te biso loko to za ba analyste politique évidemment position comme pouvoir to zo ka ba déshydrater to présenter ngo na TV opinion et mona ba service ya monitoring et yoka et ça la note technique na chef de l'État ngai sujet isolé na kai. Avec les amis, on a eu à créer le Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques. Parce que l'élection, on a eu Salamaki, il y avait un peu la pression de l'extérieur. Alors, Makambo, à Colomb, on a déjà Makambo Yakala. Tous dans le 21e siècle, 3e millénaire. Les amis et moi, nous avons créé le Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques Fatshi 20. Ça veut dire, nous, nous reconnaissons Fatshi 20 comme un champion. Et aussi, qui est une jeunesse qui va l'accompagner autour, il y a deuxième mandat. Et nous, le Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques, nous demandons au chef de l'État un quota de 25%. 25%, ça veut dire biso jeune y a pouvoir, jeune en ma confession religieuse, jeune y a opposition. Nous en avons besoin, il y a quota y a 25%. Pourquoi? Bah maman va se plaigner qui depuis Kabila, bah soit qui quota na bango. Fatshi a eu quota bah maman à Matissi. Les personnes vivant avec un handicap, gloire à Dieu, meilleur vœu, bah on peut se plaigner qui bah eu quota na bango. Nous ne voulons pas avoir des ministres jeunes, azapi ou petit ananiou. Viennent à un monde où tu as bien dit non. Nous voulons réellement un quota y a jeunesse. Qui est vraiment, comment dire, interactivité au sein du gouvernement, entre parenthèses, ma papa Nabisso, Nabisso ma jeune. Donc, il y aura 2 jours de consultation par rapport à ces passes, ma vie, les 17 et février. Donc, jeudi 18 janvier, consultation, ils ont parti il y a 10 heures. Na CEPAS, vendredi 19 janvier, toujours na CEPAS, consultation Zobada 10h. Le jeudi, avec ta permission pour finir, nous recevons rien que le comité des étudiants, rien que le comité de jeunes entrepreneurs, rien que le comité des mouvements associatifs, rien que le comité des mouvements politiques. Merci beaucoup. Et le vendredi 19, merci. Nous recevons tous les jeunes. Il y a un comité avec l'église des réveils, l'église des noirs, l'église des musulmans, orthodoxes. On se met autour d'une table, tout solo là, tout à la. Comment déposer un mémorandum pour en fait que le quota, il y a 25% de la jeunesse. Merci beaucoup, ça va représenter Yannick Vumbi. Bon, merci, merci Naï, nous te je crois que Bakongolo Balandanga Baebi, ces derniers temps, tu vas qui mandat président de la République Bandi a mandat à la réforme. Et l'une des grandes réformes demain, le changement de la constitution. Ils savent que je suis en train d'écrire un nouveau chez ça. Et dans ce sens, Bakongolais, déjà pour intérioriser en gros. Cette constitution, tout en gros, ne reflète pas nos réalités. Elle est extraverte, essentiellement tournée vers l'extérieur. Ce n'est pas notre constitution. Bah, imposer à Bissot en gros, il faut tout ça la constitution à Bissot Moko pour cadrer la barrière. Aujourd'hui, forme de l'État, régime politique, les conditions pour être candidat président de la République, les conditions pour être candidat député. Regardez, plus de 101 000 candidats dans l'élection. C'était une honte. Quand vous échangez avec les amis qui sont à l'étranger, vous avez même beaucoup en autre qu'il y a 101 000. Pourquoi? Les conditions sont souples. Alors, on a levé le pays de Cambria, statut opposition, 4 législatives, il y a déjà. Tout ça a porté parole à l'opposition. Et donc, j'ai fait une proposition.
Les candidats perdants, c'est lui qui vient juste après le président Moutoua gagné, face à l'office chef de file d'opposition. Et donc, ce que vous savez, campagne. Non, chef de file, si vous voulez aller non, non, effectivement, parce que le régime semi-présidentiel complique tellement les choses, alors que Maramna a cette proposition clé. Aza la chef de file d'opposition. Moi, je suis Moïse Katumbi, a dépassé Mbongo et Béli. Vous n'avez pas. Chef de file d'opposition. Oui, mais en même temps, la salle de proposition a comme des droits sénataires. Nous ne pouvons pas copier des choses à l'extérieur, nous avons dépassé Mbongo et Béli. Et vous les laissez en dehors des institutions. Il faut avoir la carte de ces institutions, à la droit aux sénataires, et puis les avantages, tout. Passeport diplomatique, tout ça, ça va stabiliser quand même. Et puis il a proposé suppression, il y a institution jugée budgétivore. Les sénats, CMDH. Oui, le président de la sénateur, mais. Attendez, attendez, on va réfléchir. La peste de proposition, on a. CENI, Primati, certaines institutions, il faut les supprimer. Parce qu'au moins, il dit que CENI va te bêler, bazo, mais qu'un peu qu'on le velango. Obi n'a pas payé sérieux. CENI est à la rater. Ministère intérieur. Il faut voir est-ce que les Congolais ont beaucoup plus confiance dans CENI. Je ne parle pas de confiance en CENI en Kadima, mais il faut que tu aies quand même CENI depuis 2006. Le ministère intérieur. Mais le ministère intérieur, c'est beaucoup plus. Obi, tu vas éviter. Obi, tu vas mettre un chute. Obi, tu vas te dire que tu as une irrégularité. La plupart va occasionner que les gens vont bien. Journalier. À Sali, voilà, Seigneur, on foutait un soutien de l'année. C'est pas bon, mais il faut en réfléchir. Merci beaucoup, Maître Yannick Vumbi. C'est parti pour un débat. Nabiso Yamokolo Alelo, Tobandina Deko Flouri BA, confirmation. Il y a résultat présidentiel par la Cour constitutionnelle. Le Barait et ma décision naïe, ils allient intacable et opposable à tous. Est-ce qu'aujourd'hui, débat, est-ce que tout le monde a sous débat sur ma revendication, les uns et les autres, après irrégularité constatée dans ma Bonami, annulation, il y a élection organisée le 20 décembre aussi. Est-ce que après cette décision, il y a Cour constitutionnelle. Donc, le Bélaïsous m'a comme légitimité, il y a président. Merci beaucoup. Vous avez 5 minutes, 5 minutes. Vraiment, je vais respecter. Nakati a famille, mais voilà, on a obéi plus ma cesse. Papa Fandi, Nabana, à l'occasion, il a fait Moko Boé. Papa Bimi, Abini, à l'ongoli petit bilamba. Na misu ya bana papa a se déshabillé. Moi sur la ouette. Papa la ouette. On la ouette ou on va bien demander. Alongoli bilamba a se déshabillé. Et quand il s'est déshabillé, c'est-à-dire qu'il a manqué de l'honneur face ya bana. Un véritable mythe. Ouais. Et maintenant, famille Sangani pour se pela na papa ya zangi honneur na misu ya bana. Papa ou a se déshabillé qui liboso ya bana naye, famille sangani bazo sepela, au moins nous avons un père. Ya liboso et logo na koloba. Je savais. Nous savions, nous, le FCC, que la Cour constitutionnelle, c'était parmi nos revendications, qu'ezala ki pe ezali partiel. La Cour constitutionnelle et se transforma en communicateur de M. Antoine. La Cour constitutionnelle, où est-ce qui est censé de dire le droit? Ils allaient indépendante, Cour. Et Sali Moussala n'a ngoté parce que M. Kamoulet n'avait qu'une seule mission, de confirmer M. Antoine. N'est-ce pas statué sur le fait? Comme président de la République. Avec qui est-ce qu'ils allaient être introduites, bah, statuées sur le fait où ils allaient qui présenter les bambous. Yali Bosso, la CENI proclame M. Antoine, n'a pas résultat 73,34%. La Cour constitutionnelle confirme avec 73,44%. Oyo Kamoulet Tabaki, c'est là. Les avec 73,60. Premier résultat, les acquis. 34. Non, il faut. Moral, résultat. Papa, qui s'est lié Nambou et pas Cour constitutionnelle. Nambou, papa, qui s'est lié Antoine, et a dit
il y a essengo oh la manifestaka na ensemble nationale le cours constitutionnel à l'homoli même baba pourcentage par rapport il y a annulation il y a comment il y a comment na masimanimba oh la seni ya sile kolongola. Je viens maintenant parce que vous avez besoin qu'on tous se plonger rapidement. Écoutez, aujourd'hui notre pays manque de valeur. Et je pense que M. Antoine sera un président qui ne sera pas respecté. Pourquoi il ne sera pas respecté? Parce qu'il est issu de la fraude et de la tricherie. Ça, c'est une évidence. Et Zali, évidence. M. Antoine ne sera pas respecté. Et pour preuve, la diplomatie de notre pays recule. Parce que, vous allez voir, il n'y a pas même de président, ses homologues, il y a moins sur le nombre de présidents dans le monde. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Le Congolais n'attend rien de M. Antoine. Parce que, bah, vota qui était. C'est une expression. Qui va Congolais, bah, vota qui ne répond pas. Il nous a fait attendre quelque chose. C'est 3%. Vous l'avez dit? C'est-à-dire expression manifestée, auto-exprimée par cette population. 73%, ce n'est pas une mince affaire de coup. Bateau, on attend un bango, Naza, président en promotion. Bateau, on attend un bango, Baebaga qui fleurit Béa, dans l'école, était un garçon très intelligent. Pourquoi moi, 73%? Nabana, vous avez un point ébélé. Mais c'est pas trop. Mais ça m'a étonné. Comment on a que Moutou Oyo, Azoaki, l'échec na EPC Nina. Na FSNI, l'échec a qui 73%. Ce qui justifie que ma konami Oyo et Zali Nango congrès Oyo IDP sa organisaki par le biais Yandeko Kadima pour voter Ndeko Antoine Antirine Ndeko Antoine. Et pour ce faire, et logo Oyo nga nazo lobeza bouye. Ndeko Antoine, je sais que lui-même sait pourquoi est-ce qu'il avait choisi le numéro 20. Parce que le numéro est bima qui sur base y a moto y a déposé qui avant. Il s'avérait que même fichier en 2018 ba bambé là qui est. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup de comprendre. Timing, tu dois respecter timing. Donc allez l'eau, tu dois respecter timing. 5 minutes à chacun. Montez-moi quand t'as débordé. Timothée, le noir, les filles qu'on a nous allons qui vraiment concentré hein. Oyoka. Donc Timothée le noir. Est-ce que ces débats après ces décisions en cours constitutionnelle, annulation de Maponami, légitimité, est-ce que Félix Tshisekedi dans la légitime, lecture de fait dans les animaux. Ndeko, Maxime, tu connais mes principes. On a un principe de base, moko. Ça veut dire que nous sommes en démocratie. Et au nom de la démocratie, il faut que tu aies un mouton à moutoise à la libre, n'a pas pensé naïe. Ndeko Floribé, il est du FCC. FCC, oui. Ils ont la carte. Au coup de bon, t'es nazo tuna. Au coup de bon, la carte en boucle est mina tuna la carte. FCC, ils ont la carte. Mon cambina, ils ont la carte. On dit que Nyon se basse à la carte, Kabila n'est pour rien. Oh. Ni d'Adam, ni de F. Kabila, ça va. Kabila, tu bon. Il est sénateur à vie. Azana Kinga Katina, et oui, Zali Zamba. C'est un homme qui aime la culture, la verdure, il aime la nature. Kabila, comment est la priorité? Aujourd'hui, moi étant politique, aguerri, averti. Ce qui n'a maudit Joseph Kabila, n'a commis ça ensemble, pour une fois, dans l'histoire en Bokanabiso, on a un sénateur à vie. Aujourd'hui, Fatia a son deuxième mandat. Le reste, Dieu seul sait. Pourquoi pas dans les jours à venir, après 5 ans, après, Fatia passe à sénateur à vie. C'est ce qui fera la beauté de la démocratie. Vous comprenez? On a insulté Kamoulete ici, na plateau, na obatwa finga Kamoulete combien de fois? Dieu sait faire les choses. C'est ça la légèreté au sein de la classe politique. Il faut qu'il y ait un sursaut patriotique. Bisoba gêne même de par notre comportement, tout élément, pour tout s'opposer dans ma kamusus. Je ne dis pas que Kamoulete est assassin. Nous savons que ça dans ma boko yabatu. Et ça l'a toujours na ba erreur na. Le lot Kamoulete abimisi Katumbi la liste. Katumbi wana za ki candidat. Qui pleuve qui neige. Katumbi deuxième. Olingo lingate. Le pouvoir, la politique et ça ils ont dirigé la spiritualité. Katumbi même spirituellement il n'est pas prêt.
Oh. Il faut savoir lire les signes du temps. Spirituellement, après. Même tonton Martin, président Martin Abino, tonton Nangaï Martin. Tu sais pourquoi? D'abord, du fait déjà que Boyakiamo, corps, âme, esprit, naïe déjà Boyamo. Ça veut dire que même la métaphysique est simbaté. C'est simple. Mais le simbandengenini. Et l'autre de Dieu Soboy. Tu sais, même en amour, on a vécu ensemble. Et on sent la questionnité. Comme maman, on a forcé une tête aux ongles à la gaga. Parce que danger, on a parlé. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'hasard. Dans les bons, tout comme dans les mal, il n'y a pas d'hasard. Ni on s'en a dit, on a dit, on a dit, on a dit, Kamulete. Kamulete aligné Katumbi candidat. Facha Betina ni Katumbi. Katumbi ne s'est pas préparé pour la campagne. Est-ce que na kitchasa Katumbi a sali campagne? Mais débat sur les lots de Nazoya. 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 Irrégularité, les gars, ils vont trop. Mais toi, journaliste, irrégularité, na makambo élection, ça se passe partout dans le monde. Il ne faut pas prendre la situation des pays démocratiques du Congo, comme ça, moi aussi spécial. Okay, ça. RDC, l'équipe. Prenez ça comme vous. Mais oh, il y a le big LDC, l'équipe Mingi. Bravo, ils ont démocratie, ils ont vie. Mais tant que Seigneur, tant que tu vas invalider, j'estime que les amis de l'opposition doivent être rationnels. Il ne faut pas applaudir des marches. Voilà. L'opposition a toujours condamné la présence des Kadima. Les longs Kadima ont organisé l'élection. C'est vrai, mais ils ont raté. Mais quand Kadima a mis sa liste, il y a bien invalidé. En commençant par les gens du pouvoir. Mais finalement, on est où là? Bandeau la bise en opposition, lecture n'a pas mis à nini. Bref, on ne va pas s'atteler sur ça. Nga y a un débat, moko, et c'est important pour ça, la gamo. Question de légitimité, c'est posé aujourd'hui. Mais la Cour constitutionnelle a fait. La Cour constitutionnelle a fait son travail. Seigneur Bimisi, Batouba qui nous poutana, Seigneur. Sauf à l'homme, la Seigneur. Qu'est-ce dit la loi, qu'est-ce dit le droit? Bon, il y a la Cour constitutionnelle. Bon, bah, c'est électoral, mais bon, il y a Batouba. 40 partis politiques n'est non, non. Il faut faire très attention parce que aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on a tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est la vérité. Mais une chose est sûre, c'est ni abîmé. Kadima fin à ma boutou la moi. Moutoumou était en opposition avec Téli Kadima, bravo. Hein? Surtout qu'on a commencé par invalider les gens du pouvoir. Bizarrement, les opposants sont dans la confusion. Je vous donne une information. Tant au cas du Mazon, c'est un discours et la publication provisoire. Tant à les signes de tante. Quand il m'a bien dit dans ma propos, il y a recréé problème dans le processus électoral. Je te rassure, la justice a arrêté déjà. Canada a été là. Au moins, Fati, il a besoin de gérer le monde de la Simana et de l'État. Au moins, il a été dans l'État. Il y a au moins ma tata m'a bouminé de la cala, ma kebina loi à ban à 5 ans. On lui montre ça, mais ça n'est qu'au lien bon à l'état. Pour n'a l'oublier de plus à 4 ans, pour n'y a qu'elle ne relouque à recocaté. Il y a aussi ma tata n'a qu'à la maman n'est pas zongi dans 5 ans. Ils sont plus fascistes que vous n'avez pas de paix. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, j'estime que la Cour constitutionnelle a fait son travail. Merci beaucoup. Parce que la opposition va souffrir. Opposition, ils ont payé. Ils ont un piaka, ils ont un kamboyaka. Ils sont là sur le Outawana. Va supporter. FC Sassabiso. On dit que Obey Minak a déposé jamais candidature. Merci. Obey Minak a tiré jamais au sein de la campagne. Mais il a été élu à l'époque de Kabila. A déposé à battre la campagne. Même Mbogue Lengit. Député national. Est-ce que FC Sagovanda n'a pas perdu? PPRD comme à 5. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chanal. Nova. Robert, finalement. Ndeko Toussaint. Béa. Tout ça, Robert, t'as vu soyez à Mouta Kaboul. Est-ce que le lot. Ma bosse avec Kaboul, il n'a pas de fatigue, c'est la famille. Malembe. Donc, tout ça, Béa. Est-ce que le lot, débat, il y a annulation, il y a ma ponami. Il faut tout le bénamon, le sous-sous. Après cette décision, il y a cour constitutionnelle. Est-ce que on peut mettre en cause aujourd'hui, Makamoutali, légitimité, il y a Mokoundi Amboka? Moi, je suis Maxime, merci à la question tout ningai, mais il y a un répondre à vous permettre à la coépissante de Timothée le Noir. C'est un jeune que j'apprécie beaucoup son combat, mais c'est pour la, le besoin de la cause qui aujourd'hui se retrouve encore avec Fachi, comme quelqu'un a dit Mbisi à la Naresiga Maï Cholaka. Mais vous allez comprendre avec moi. Ils en ont repère, mon rôle est loyal. Au bus tout à côté les mêlas le père Nabiso est comme culture, c'est à dire tout esprit à musicien tout même on a quatre politique, c'est à dire un rôle au bon. Là je vais répondre à mon frère Timothée rapidement. On a deux points à l'objet
alobi bato oyo facha linko ta mwana bango te azokangisa bango mais na kotuna yembongo ya ramezak ezongate 100 jours mbongo ezongate projet chile gelou ezongate communière mbongo ezongate alors c'est inutile ya koyebisa biso makambo awa oyo chilombo a donc ko chilombo n'est pas un modèle pour ozongi alors revenons cette élection nous avons qualifié ça comme étant congrès de l'IDPS organisé par Denis Kanima. Je reviens encore. Un testament dont le président nous a laissé, Lelo Oyo Topesi a raison. En date de 18 juillet 2022, le président de l'Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Kabuna Lobagoué, le régime Tshisekedi a décidé de mettre en péril la périodicité des élections en organisant la fraude massive, en créant des partis politiques mallettes pour avoir des députés derrière lui. On a même dit tout, hein, que ce soit en 2018, 2019. Il y a un mallette. Alors, il y a irrégularité. Alors, il y a irrégularité et ça l'aura partout. Je suis en partout face à travers le monde. Je suis en face de moi un juriste qui ne va pas me contredire. Et en jamais le WAP. Qui ne va pas me contredire. Et je reviens ici. Le juge de la Cour constitutionnelle, M. Timothée, Bazali va juger la régularité. Et non, va juger la sincérité de vote, moins encore la conformité des urnes. C'est ton avis, hein? Oui. Je reviens. Narotanga Nego Juvenal, où a commis Namukanda Naye, y a contentieux électoral. A commis pour la totale, il y a la modalité, il y a annulité, il y a élection. Notamment la fraude. Tout le monde va dire quoi c'est invalider certains candidats, 82 candidats. Ils ont avancé des argumentaires, quand bien même que c'est une décision purement administrative. Et c'est pendant que CENI a valu le secrétariat exécutif, où il est censé gérer la machine, secrétariat exécutif à Jiraka, Otobengi, ma chef d'antenne, ma chef de centre, ainsi que ma chef de bureau. Le machine, elle s'est retrouvée à la bande à Batounine. C'est l'une des raisons. Mais irrégularité, on le trouve partout d'ailleurs. Non, en droit, l'irrégularité. En cause, résultat, où est-ce qu'il faut clamer par la CENI. En droit, Otobengi, irrégularité, en droit, ce qu'on appelle l'irrégularité, c'est ce qui est. Et en Jandraka, même la nullité, il y a Makamo BG. Je donne encore un exemple palpable. Le dossier Vital Kamere, lorsque ce dossier est allé en cours de cassation, pour envoyer la cour d'appel, c'était pour l'irrégularité. Pourquoi? En lieu de place d'envoyer la citation à prévenir, la notification de la date d'audience. Ça a engendré ce que nous appelons l'irrégularité. Alors j'aimerais ici que personne, Moutoumara contredire, les juges de la Cour constitutionnelle va siéger en matière de la conformité. Après cette décision, est-ce que débat à la Togo? Je pense que, quand bien même que la décision de la haute cour est inattaquable, mais étant donné que je suis praticien du droit, je vais m'incliner sur cette décision, mais le président Chilombo sera un président illégitime. Illégitime. Légal, mais illégitime. Merci beaucoup. Parce que la légalité, c'est la cour qui l'a affirmé. La légitimité, c'est la population. Merci beaucoup. Le peuple est Pessi Chilombo. Merci beaucoup. Parce que la voix parce que l'élection du président de la République est allée étendue de la République démocratique du Congo. Maître Yannick Vumbi, chez Malubezalina. Anga Monayo, qui est à la régie, Azali Nabi Soté sur place. Donc, Yannick Vumbi, est-ce qu'aujourd'hui, après cette décision, il y a cours constitutionnel, ces débats, annulation, il y a Mapouna Miné, Azali souhaité hein, par Adolphe et plutôt par Martin Fanoulou, Denis Mukwege, Baïndé, Moïse Katumbi, Togo Lobelaïsou sous annulation à Mapouna. Aussi, cette question soulevée, Makamotali, légitimité. Est-ce que le président sera légitime par rapport à ma fraude, irrégularité d'avis constatée si elle a? Bon, Maxime, vous avez vu que ceux qui sont acquis par les républicains ne devaient pas faire ce genre de débat. Nathalie, Jean-Marc Kabounde, j'ai même eu pitié de lui à Toki Paul Bamakambo, mais en réalité,
il n'arrive même pas à expliquer. Non, le vidéo m'a pas dire. Il n'arrive même pas à expliquer ce qu'il voulait dire. Oh. Et non, il est maman. Bon, c'est comme ça, quand vous n'avez pas d'arguments, c'est comme ça, vous donnez l'impression à Rouloba. Bon, de toutes les façons, barré à court, ils ont rendu en premier et dernier ressort. Ça n'appelle pas un débat, recours, ils ont arrêté. Oui, oui. On constate donc, réponse, question dans le lobby. Ce qui est annulation, si annulation, donc débat est clos. C'est clos. Et puis, nous, les chercheurs en droit parlementaire, par exemple, dans Tongwa, lobby, la manière dont on a décision en Cour suprême de justice à Kenya, annulera l'élection présidentielle. Je vois la motivation. On n'annule pas une élection présidentielle pour les plaisirs de les annuler. Bah, irrégularité, c'est avec les belés. Mais c'est pas quantifié à la hauteur de combien. Il faut lire la CENCO, le rapport préliminaire à CENCO. Il faut lire les rapports à y a SADC. Quantifié à combien 4, 5, 6, à la limite 10%. C'est une fois le bas qui monte mon pratique et quart. Non, on va vous donner la conclusion. Mettons en termes d'irrégularité, quand vous les quantifiez, c'est 3, 4, 5, 6, 7%. Ça ne peut pas les annuler. Mais moi, je reviens plutôt dans ma campagne d'élection parce que, on ne gagne pas une élection avec beaucoup de légèreté. Au-delà du fait que le président Tshisekedi Azaki n'a bilan, mais il y a d'autres paramètres, d'autres aspects qui sont en danse. D'abord, la capacité de fédérer autour de vous. Regardez, Tshisekedi a négocié avec Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba, je vous rappelle, il n'est pas n'importe qui. Pour qu'il accepte un compte dans le gouvernement, pourquoi il a accepté dans le gouvernement? Il a négocié avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, je vous rappelle, le président INC, il n'est pas n'importe qui. FDC. Et vous avez dans une coalition IDPS, plus MLC, plus ENC, plus FDC. Mais qui peut battre coalition 1? Impossible. Mais en face de vous, vous avez quoi? Vous avez qui? Un certain Moïse Katumbi na cette Kikoun. Vous imaginez quand même. Mais Maxime, c'est débat. Non, mais nous parlons d'élection, nous parlons des élections. Nous parlons d'irrégularité. Nous parlons d'élections. Certainement, vous n'avez pas compris. Nous parlons des élections. Moi, comme juriste, je ne peux pas revenir sur les arrêts de la Cour. Déjà, on a vu si ok, je n'ai pas encore moi lu l'arrêt de la Cour. Comme avocat, je ne peux pas les critiquer. C'est une question de légitimité. Mais il y a moins de ça. Tant que vous avez combinaison à Batouana. Ça, c'est déjà la légitimité. Et le président a été élu avec 73% de voix. C'est une grande question. J'ai dit d'abord. Je défi. Parce que toi qui es dans la musique, moi j'étais candidat. Nakini Ao. Nakini Ao. Après, ça n'a rien à PV Moko. Il y a bio de vote. Dans le bis 5 de vote, bio de vote à Moko. PV Moko Oyo, Fayulu, tout Nani, comme Katumbi, a gagné qui présente ce qui. Nakini Kaka. Tout Bayende. C'est vrai, moi j'étais candidat, il y a eu des irrégularités. Mais bah irrégularité, voilà. Et Zaki, oh. Mais c'est bien reconnu. Irrégularité, ça la m'a pas. Et ça va l'élection RD, ce qui fait comme après. Est-ce que l'élection haute au Salaki et atteindre le standard international? Je vous dis, il y a quatre critères pour permettre que les Congolais ne soient pas quoi apprécier. Le premier critère, c'est l'inclusivité. Inclusivité, c'est le banin. Le candidat n'est pas la personne qui compétit, il faut baya. Alors, vous avez vu, par exemple, le côté à pouvoir passer à manœuvre pour écarter le banin. Non. Principe, il y a inclusivité, c'est là qui. Deuxième principe, c'est la transparence. On a le besoin, mais on a besoin d'avoir l'élection, c'est transparence. Non, j'étais. Pour avoir transparence, le lobby, il faut publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. On a site, il y a CNI. On recoute à bureau de vote par bureau de vote. La site, à CNI. La critère, là, l'élection, il faut être apaisé. Cher ami, peut-être que nous avons quitté. En 2006, nous étions ici. Nous avons quitté la CISA qui, je crois, l'humanité en 2005. 2006, nous avons quitté la colonie de Macam. Papa, il y a eu un président de la CENI à proclamer un résultat dans un char. Et il s'en est suivi d'une guerre. T'as la histoire en Boko. Désormais, permettez-moi de chuter. Et ça, mon baba, je fais une chose. Au PC, on a 5 minutes, on a 3 minutes. Merci beaucoup. Caractère apaisé et Zalaki. Oui, oui. Caractère libre et Zalion. T'aurais pour conclure. Il y a même Sadek. L'élection est répondue à un critère international. Merci beaucoup. Il n'est pas sérieux. Merci beaucoup, Maître Yannick Vumbi. Ndeko.
les pères. Koubangila, est-ce qu'il y a crise de légitimité? Est-ce qu'il faudra encore débattre sur la question? Il y a annulation à Mapounami après ces décisions de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. En tant que républicain, d'abord, je m'incline devant la décision de la Cour constitutionnelle. Mais laissez-moi dire une chose, M. Timothée Lenoir. Le maintien de la candidature de M. Katumbi ne dépend pas de la volonté de Kamuleta. Ça, c'est un élément de taille que mon co-débatteur doit comprendre et bon gars. Il y a eu Baba Préjugeux. Non, il faut te fêter parce que à maintenant que candidat est Moïse Katumbi. Dans le but, vous féliciter. Je comprends. Ça veut dire que non, maintenant Katumbi étant congolais, on a déjà reconnu la constitution, sa candidature, et ça contient une individualité. De deux, j'aimerais dire à mon frère Timothée Lenoir, à l'objet à Wakeno, bah, irrégularité, il y a partout dans le monde. Est-ce qu'il peut dire aux Congolais pourquoi l'élection il y a M. Peter dans Malawi, et ça qui est annulé par la Cour constitutionnelle en 2019? Parce que c'était controversé. Est-ce que l'élection a... ma motivation, justement, il faut non, des éléments pour... mon frère Maxime, nous avons 145 territoires en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, le résultat de M. Tshisekedi est à 140 territoires. Il y a 5 territoires où ils se reconnaître et tiennent l'élection de M. Tshisekedi. Oh. N'est-ce pas vrai? ma Ponami, oh, il y a 2020. Na circonscription est belée. Les gens, ma machine a voté, la CENI elle-même, il y a 400 machines. Et ça, il y a beaucoup d'abattants des zones de la CENI. Et ça controverse. Quant à vous, c'est quoi les irrégularités ou les copies qu'on met ma cour pour une élection? Non, le débat ne peut continuer. Non, non, non. Ce qui est né, c'est par rapport à l'argumentaire de Bango. Oui, oui. Mon frère Yannick a dit que tu as la capacité, il y a fédération, il y a monsieur Tshisekedi pour gagner l'élection. Na 2018, Bitaku y a la sima, il y a Chadari, et Nani, comment ça s'appelle? Bas, il y a sima Chadari. Et c'est le monde, hein? Mais c'est le monde. Non, malheureux. Jean-Pierre Bouda, vous avez vu Jean-Pierre Bemba là-bas. Je vous parle de capacité. Non, si vous voulez dire que Jean-Pierre Bemba, c'est le meilleur. Oh, mais c'est un monsieur. S'il vous plaît. C'est comme ça. Négoyanik. En 2018, autour de Martin Fayoulou, il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait Moïse Katumbi, il y avait Adolphe Mouzito, il y avait Freddy Matungulu. Avait-il gagné des élections? Tout le monde a FCC à Zalana. Vous parlez de la capacité de fédérer. Donc, si la capacité de fédérer est un élément déclenché pour vous gagner l'élection, c'est qu'en 2018, il a gagné l'élection, c'est Martin Fayoul alors. Oh, il ne comprend pas. Oh là là. Je dis qu'il y a plusieurs paramètres. Parce qu'il met le nom. S'il vous plaît. Il y a combien de crises d'électricité? Moi, je ne comprends rien, madame. Ndeko Maxime. Ndeko Maxime. Moi, personnellement, en fait, je ne dirais pas qu'il y a crise, il y a légitimité. Pourquoi? Parce qu'au regard, il y a un résultat selon CENI et Mimi na Irne. Je ne dirais pas qu'il y a crise de légitimité. Mais c'est qui est vrai. Non, s'il vous plaît, c'est qui est vrai. Les élections n'ont pas été bien organisées dans notre pays. Si on était sérieux avec nous-mêmes. Voilà. Ce qui est dans la question de la vie, mon idée de Yannick, Ahmed Kabiliste. Nous avons combattu hier pour que s'il y a proclamation, il y a résultat. En 2011, c'est l'opposition. Ah, à mort. Donc, quand à vous, le tshisekedisme, c'est elle qui vient de pouvoir. Non, Kabou, c'est comme le moumiste, non? Aujourd'hui, Kabou est qui? Il est où? Il est au pouvoir. Moubak est qui? Merci.
Là, c'est non, non, je vous dis, c'est parce que le vulgarité, si ça reste dans l'opposition, les tisekédistes, c'est l'état d'esprit. Ce n'est pas le positionnement. Et un vrai tisekédiste, c'est celui qui prend le valeur. Aujourd'hui, même pas péter là où il est dans sa tombe, il n'est pas content de la manière dont les élections. Merci beaucoup, le père Kubongila. Nous connaissons un peu son Simba standard, Tozwa. Maxime, ici à Kissens, au quartier 17 mai, ça fait 3 mois, il n'y a pas du courant au quartier Mission Koulou Naezo Banda, de 8h à 17h, sans intervention de la police vient qu'à 17h30 pour arrêter les innocents et les couples. Bonjour, monsieur Maxime, 2006, 2011, 2018, tout le monde a atta fraudeur mon côté. Élection en 2023, il a qui si Bissot, poids politique. Il y a Moutouna Moutou. Neko Fayoulou, 5%. Fachi, 73%. Merci, peuple congolais. Papa Matondo, depuis la commune de Mongafula. Papa Matondo. Bonjour, mon frère Maxime. Le monsieur du PPRDP nous dit aujourd'hui là où Jeannette Kabila, Obem Inaku, Zoé Kabila, Mova Sakani avaient battu campagne pour devenir député en 2018. Les Congolais, dont l'ensemble, avaient voté pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les RCD n'existent plus. Ça sera le cas pour le PPRD. C'est Papa Maurice depuis Ngali Manasanga. Mamba, bonjour MM, Yebisa Floribe, Atoyebi, Baza, Baalie, Ananga. Oh! Mbogelengi! Akende kope sa message na Yekuna, Awa, Fachinde Mugondi. Ndeko, inconnu comme Elibiso, on va lire le message, Yaba Imboka. Bonjour Maxime, Tuna Yannick Vumbi, comment Félix avait gagné les élections de 2018? Seulement avec Kamere comme allié. Fabrice, depuis la commune de Kinshasa. Bonjour Maxime, pas d'annulation, pas d'opposition. Fachi reste le meilleur élu de l'histoire. FCC, Ezalakaka. Ezalakaka, Gelor Lando, depuis la commune de Bumbu. Bonjour ma radio. Aujourd'hui, je demande à présent Félix Tshisekedi d'être redevable au peuple congolais comme il a été à ses amis de la diaspora, dont ces derniers. Lui ont aidé d'une manière ou d'une autre peuple congolais va voter Azala rélevable Nabiso ba congolais. Ça c'est un bon message. Vanda qui de voter qui est massivement on ne peut pas commettre. Ils sont dit après ils ont donné la standard 0,82 Allô bonjour. Allô bonjour. Standard son Nabiso au salaté. Standard pour fonctionner. Allô bonjour. Nous va peser qu'est-ce qui se passe on a standard 0,83 En fait, ça va t'en penser tout ça va nous KO. Allô, bonjour. 0,82 33 standard. Et ça l'a dit. Standard, tu bloques. Vous allez mais ça. Qu'est-ce qui se passe au standard? Mon rond, ça voilà, s'il y a un problème na standard to bandeko lolu ba refocher na ko tamula de komo njambe notamment ba tomboka ba telemisinga ba vinde ko Maxime pourquoi standard ko ta quitté donc les alliés indépendamment à notre volonté standard to joindre na deuxième partie avec Bonheur Ndinga ndeko Flori Béa. Ah, bah, il faut pas, s'il est coupé, ça va quand même, ça va, par rapport à ce premier sujet, ces dossiers,
Assemblée provinciale à Kinshasa. Oui, puis bah contour, nous sommes suspendus par le VPM, il y a intérieur, les lots pour Nino, les procureurs, tout parquet prêt, il y a cours, il y a cassation. Bah Sengi, les VPM avaient imité, il y a Neko Gentilin, il y a Oe Salami, il y a bureau, il y a Assemblée nationale. Est-ce que la procédure est respectée? Parce que mon collègue, les lots, il y a la démission, il y a Neko Gentilin. Oui, je vais y arriver. Alors, de côté mortel et noir, n'a la CPLA plus, ce que j'ai intronisé, hein, tout ce que j'ai dit, la spiritualité, dans le débat politique, ça me fait vraiment du bien. Mais il faut savoir aussi l'histoire spirituelle. L'histoire spirituelle? Oui. Mais pour Nayo, comme Jésus, a fanda na ena lola, c'est-à-dire que l'église chrétienne est qui coexistait. Il fallait mon Jésus à Tambola, à Mokilioyo, à Betitour, à Yeboye, à Teipondima, que la chrétienté, ils ont existé. Nous, on ne fait pas la politique pour Joseph Kabila. Ça, il faut les retenir. Nous, on ne fait pas la politique pour Joseph Kabila. Nous faisons la politique pour le Congo. La Lingala, maman va yoga. Maman va yoga. Il y a moi là, il y a Batali Gibala, il y a Bisso, il y a Gamela. Tout ça, la politique pour na Joseph Kabila. Tout ça, la politique pour na Ekolo. Donc, Kabila, qui kozala ou pas, mais le FCC, c'est la passion de, du Congo. Mbogale. Mais plus rapidement, Ndekonanga, est-ce que si on a char de combat? Si on continue à Kati, Moutoundeka Ketika Laka, si on a Bisanga, quand Moutoundeka Ketika Libo, on a publié le résultat. Non, en fait, ce sont des choses, ce sont des choses où il faut que Tchayango de côté. Et vous ne pouvez pas, après plus de 32 ans, à Balabala, après tout ce temps passé dans l'opposition, pour continuer au cours de sa peuple congolais. Alors, aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est quoi? Je te dis, Godem Poye, comment péter sans le savoir? Mais je te dis, Godem Poye, n'a Denis Lessi. Godem Poye, et ça a commis le rôle à Denis. Il y a un sachet de moment. Maintenant, je vais dire ça. Mais je vais dire ça. Je vais dire ça. Je vais dire ça. Je vais dire ça. Godem Poye, comment on peut péter sans le savoir? A cause de ça, il était l'homme le plus intelligent. 16 diplômes. 16 diplômes. Tu es pour découvrir Yango qui vient à Pangaka. Hein? À Kosaka. Oh. Deuxième élément, Kosaka Bissou, qu'il était un pasteur respectué. Dans des missions, mais tu es pour comprendre que Godem Poigo, donc je ne sais pas si je peux les qualifier, n'a habité dans le rang ni il faut na chai. Mais c'est qui parquet prêt à quoi à cassation? Le Congo, on n'a pas militaire. Est-ce que électoral, détention à machine à voter, vous allez vous dénoncer? Le Congo, c'est un pays très vaste. On n'a pas besoin y a compte à rendre. Ce que l'ingo ça les lots qu'on a négé à malamu, ça là yango, koyate que parce que ne konanga mfumbi, azana pouvoir, nana azana opposition, il faut na cochonneye pour na ba intérêt moko yanga personnel. Non. Makambu oyo bango ba salaki, ce sont des comptes à rendre. Merci beaucoup. Et pour l'évolution de notre pays, je pense que Gentil Ngobila bazo fou taillé na makambu oyo ye moko ba salaki parce que vous connaissez, il devait perdre son mandat. Nenga longwa kana pe perdre. Merci beaucoup. Mais lelo oyo. Merci beaucoup. Akambo salié na ba sirène. Merci beaucoup de Timothée. Merci beaucoup de Timothée. Les noirs yo na mis sous nous, nous allons côté là ces dossiers de l'Assemblée provinciale de la ville. D'abord, je parle comme un ancien. Nalina Lobango rapidement par rapport à timing. Nazo Loba comme un ancien de l'Assemblée provinciale. Parce que Nazaga secrétaire, il a fait Daniel Boté, typé à son âme. Nazaki assistant, il y a Jean-Jacques Montoile à deux reprises pour ça. Là, contrôle, il y a ville à Kinshasa. C'est ce qui m'a permis de comprendre le fonctionnement à Kinshasa. Nazaki assistant, il a rapporté Bakizolé parce qu'il y a Malungé, élu de Matete, MLC, ou Azaki président Ekofine. Le fonctionnement de l'Assemblée provinciale, à ce que je sache, il y a déjà Peter Kazadi, déjà VPM à l'évacuer option. Il y a qu'on suspendre Makambo et l'Assemblée. Ça veut dire qu'aucune activité au niveau de l'Assemblée provinciale est Kokangi Gostalama. Et puis, à ce que je sache, à moins qu'il n'a se perde, mais le Congo, ça veut dire que c'est la plénière qui est souveraine.
Ma décision à Bongo, il y a que la plénière qui peut se mettre autour, maintenant sur la plénière, autour du monde, on va députer, bureau, toutes les commissions réunir. Et puis de deux. Ndeko Mora Zolandanga, il y a Kani Kombo, il y a été la moyenne, mais ça, il y a PC Mbote, à travers Ndeko Dodo Kamba. Parce que Dodo Kamba, vous êtes décevoir, vous êtes ma casse. Moi, personnellement, je vous connais, on se connaît, malgré que tu coûtes Nikala. Parce que Dodo Kamba, vous êtes bête à Libanda. Et tout ça, c'est la faute du pasteur Kankenza. Parce que Dodo Kamba, chaîne de surcroît. Au bandit Moussala Nzambe, Moukie, na salon Gowana. Viso Tozolo, Mambinza, Tozolo, la prière et Pano, na salon. Mais qu'est-ce qui se passe? Osana gestion et à Godin Poïté, c'est quoi le problème? Oh. J'ai demandé. J'ai toujours demandé au chef de l'État, Fatshi Béton. J'espère que CNS, ANR, ma service à renseignement, vous aurez l'ambition, vous aurez le rapport et à notre technique de monitoring. En République démocratique du Congo, il faut tous un ministère chargé des cultes et des religions. Makamba spiritu na RDC l'équipe des ordres. Na venir mon gars, vous en a huit églises. Ça veut dire que bah ta troisième âge. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait le respect des textes et des lois. Attends, à ce que la suspension, c'est supposé. À moins que là, ça l'a perdu. Je suis juriste, mais je ne préfère pas traiter cette question du point de vue juridique. Je suis licencié en droit privé judiciaire depuis 2003. Ça fait. T'as évolué. Il m'a repris sa bagage. Tu as perdu tout le droit. Je n'ai pas perdu tout le droit. Je n'aime pas l'avocature. La ligne à l'avocature, ok. La ligne à l'avocature, ok. La salle a plus. En train total dans la politique. Aujourd'hui. Vous êtes du droit. Moi, je respecte les droits. Pour ne pas passer à bas. Mais nous, on réfléchit du point de vue du droit. Moi, je réfléchis du point de vue politique. Et c'est la politique qui prime, qui s'impose. Normalement, ça, c'est un désordre bien organisé. Godet pourrait être interpellé, voire même arrêté. Parce que comment décision, il y a VPM. Jusque-là, il n'y a pas une sorte, il y a levé officiel, il y a décision à Peter Kazali. Godet arrive à organiser une réunion, il y a bureau, sachant de par le fonctionnement de l'Assemblée provinciale, le règlement d'ordre, c'est la plénière qui est souveraine, il y a Bengisi bureau, soi-disant, bah, le Ngobila. Je ne suis pas pour Ngobila. Donc, procédure, c'est irrégulière. Merci beaucoup. Il faut respecter le principe. Il y a moins à projeter, parce qu'il y a Dodo Kamba à Sungabiso. Parce que ma Kambo Tobo n'a pas passé en République démocratique du Congo. Il y a un danger à l'horizon. Merci beaucoup, Ndeko Toussaint-Pia. Avec quel regard vous allez voter à cette situation? Il y a l'Assemblée provinciale à Villa Kinshasa, Gentiline Ngobila, fraude électorale, détention à machine à voter. Est-ce que les lots, en tout cas, la démission, 48, et va faire ça qui est dans le bureau à APK? Merci, Papa Maxime. Yambo Tena, Yanoula Namotuna Nayo, n'a rencontré ma propos à Teni Paya Ndeko Nangai Yannick. 2 minutes 30. 2 minutes 30. Ndeko Nangai, il a pataugé pour répondre en ce qui concerne. Invalidation, il y a Maponamia, a voulu répondre à un mot. Il a confondu la notion de la légalité et de la légitimité. Ouf. Il a confondu ça. C'est pas possible. Et puis, Kolandae, a aussi qu'on va avoir qui va PVP Sama dans l'élection. Ouais, ça va être PV Nini Amona. Parce qu'un PV doit être contre-signé. PVP Samité, ma bimisse va pas. Même il y a mon PVP. Ah, PVT, c'est. Inclusivité. Mais je vous dis que nous avons été victimes par la décision personnelle de Ndeko Chilombo. Il avait à l'époque un souhait à ses ministres à Selo et Kazadi aujourd'hui. On a repu Mélabisso, Agrément, la routine, la combo, la mission, la liste. C'est ce qui parle de l'inclusivité. Ailleurs, le bel et tout, la publication, ça l'a mis bureau par bureau, alors c'est faux. Ouf. Vous êtes candidat, mais vous êtes mal informé. Ouf. Mais je t'ai dit, mon frère, tu es mal informé. La publication a été faite tendance par tendance. Ouf. Le bel et tout, ma camouille, au fédéré, écoutez, je crois qu'on peut fédérer pour un objectif clair et net. Je n'admets pas que. Je pense qu'on peut fédérer pour un objectif clair et net, mais je n'admets pas qu'on puisse fédérer pour chasser Kolongo la Moutouma, on a pouvoir pour reconquérir le pouvoir. Alors, je réponds directement, il peut aller s'informer à celui qui est devant lui, il peut demander à Maître Patrick Mutombo Buzangu. Il est mieux informé à oui couper ses informations. Donc c'est un argumentaire qu'on. Bref. Alors parlons de Makamboué Kolegana ville de Kinshasa.
Moi, je pense que Basalara Likopanando quitte. Jean-Zinningo Bila, nous t'attendons à l'opposition. Mais viens à l'opposition. Parce que tu as été dribblé. L'Union Sacrée n'existe plus. Et ça l'a sous-souté. Et c'est Koufa. C'est la procédure, Wana. La procédure, Oyo Godem Poui Asali, c'est une procédure qui existe en droit. Attends, bah, c'est pendre à sa Akomeli, justice. Qui désormais, vous pouvez l'entendre, mais il y a une deuxième procédure, ils allaient lever des immunités, ils allaient l'assemblée dernière. Et ça, les marques. Mais la décision, ils ont mis conformément à la loi. Bureau, là. Le bureau. Bureau, donc, c'est-à-dire le parquet à Sengi. Mise en accusation plutôt. Le parquet. Parce que la décision, c'est le parquet d'abord. Le PG de la cassation, Nemoutou, à Sengi, pour Yokabaye ou Ananyonson. Alors que Ngobila, c'est un. Aza gouverneur à Sengi à Komeli à Zongsel Bango Mukanda que nous allons prier à Koutine de l'Oye, mais l'assemblée plénière ne finit les quotas pour que le moulaï bah immunité n'aille et Tinda et Bakene Koyoka. La procédure elle n'est pas biaisée, la procédure elle est conforme à la loi. Merci donc, beaucoup. Je pense Maxime, quelques précisions. 2 minutes 30. Comme c'est de Ronangaï et les Perses, que moi je suis quelqu'un de très sérieux. Quand tu dis je suis kabyliste, ça me fait très mal. Le kabylisme, c'est quoi? Ça, c'est une idéologie. Et sérieux, et celui qui est passé par les épreuves. Malembe. Donc tu n'es pas sérieux. Non, si vous faites comme Malembe. Laissez-moi quand même parler. Donc, vous voyez, il ne faut pas me mettre dans des histoires où. Est-ce que c'est une idéologie, le kabylisme? C'est quoi? C'est quoi le contenu? Je n'ai jamais été kabyliste. Et comme aujourd'hui, je ne suis pas tshisekediste. Je suis quelqu'un de très sérieux. Bon, Ndekolangaï, confort, il s'embrille davantage. Quand j'ai dit, publication, bureau de vote par bureau de vote, ça a été affiché. Devant les bureaux de vote. Vous avez candidat, Ça a été affiché, papa. Il sait que ça a été affiché. Et aujourd'hui, Kendena City a Séni. Aujourd'hui, Kendena City a Séni. C'est publié bureau de vote par bureau de vote. Ce sont des petites choses que vous voyez, ça, l'ignorance. Les gens, c'est mon niveau. Alors, l'Ikambou, il y a. Naza même na site, il y a Seigneur. C'est publié, moi, je fais ça, non, papa. S'il vous plaît, non, pas c'est ça. C'est publié, il y a même un lien là-bas. Compte Twitter. Les ministres, comme le président de la République, les membres de l'exécutif, Bazarana va immunité. Donc, au procureur à Sengi et pas à l'Assemblée provinciale, autorisation de poursuite. Si c'était un député, il faut député Zonga, la levée des immunités. Et donc, le président, c'est ce qu'on appelle l'inviolabilité de la personne chef d'État. Il n'a pas des immunités. C'est comme le ministre. Mais maintenant, là où. C'est ça, l'autorisation de poursuite. Maintenant, rectifier Moukié, c'est que pendant cette période, c'est vrai, ils sont pleins. Gentil, c'est un député. Un gouverneur, c'est un député. Azalagi élu, non? C'est pas possible. Alors, place de Nabiso Nani à Sambrié, place de Nabiso à Sambrié, Godem Pouis, quoi. Tant que Batinda qui réquisitoire. La moindre des choses, c'est d'inviter les concernés. Venez au droit de défense. Oyo qui est avant de statuer, tout à fait. Là, c'est il ça a le droit. De défense. Oui. Et ça frise les règlements des comptes. Peter Kazadi a suspendu qui va. Bon, moi, comme chercheur en droit parlementaire, je ne sais pas, est-ce que le VPM a pris un acte ou une décision? Le droit parlementaire, c'est la procédure. Est-ce qu'il a fait une déclaration à suspendre ou il a pris un acte? J'attends. Le VPM s'exprime par un arrêté. Est-ce qu'il a pris ça? Ce qui a arrêté Zali, déjà, est-ce qu'il a la qualité de suspendre les activités sanitaires? Je ne crois pas. Droit parlementaire, cette histoire n'existait pas. Attendez, qui va la chuter? Vous savez, moi je ne soutiens jamais Ngobila. J'ai très mal la ville, mais Eloko Godem Pouya Sali,
ce n'est pas bien. On ne gère pas Batnaba état d'âme. Le roi Bala, par contre, à où vous pouvez regarder Bani, c'est qu'il a fait là, il a violé les droits de la défense. 10 secondes. Rapidement. Merci beaucoup, très cher Maxime. Sur la question. Oui, oui, mais s'il vous plaît, Eric Emmanata, parce que sinon, cher frère, d'abord, l'Union sacrée n'a pas été créée sur base, comment, des ambitions ou soit d'un objectif concret. L'Union sacrée, c'est les intérêts. Il y a un monde qui entre et il y a des guerres partout. L'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas un parti politique où il doit y avoir des tas de qui ont adhéré. Non. Adam Tavitel Kamere, mais à l'ingrabon casquette ou ana. Godem Poi. Vous savez, moi je suis serviteur. Oui, Nzambe. Nzambe. Mais j'ai comme l'impression que biso ba pasteur na Congo, tobungisi mission oyo Nzambe tinde la biso. Un pasteur ne peut pas être conflictuel et né le kola Godem Poi. Godem Poi et le roi Sali à la Kisa Ndeko Gentini qui noté Yende Azali Kolona Nyonso. Imagine un pasteur ou Ayana Kint pour Aya Kostepe la Lokola va invalider un candidat. Merci beaucoup. Notre consultant maison en droit de Bonheur Ndinga souhaite un excellent anniversaire à l'une de ses principales partenaires de l'émission Parlons Justice, la très respectueuse Mélina Balouba, administratrice à l'Institut Croix-Rouge de Kinshasa, qui souffle une bougie de plus dans sa vie ce jeudi 11 janvier. Bonheur, il est à mon vœu. Est prévu sur invitation ce soir à Pullman Hotel avec quelques membres du club Les Amis du magazine Rendez-vous des auditeurs, deuxième partie animée par Bonheur Ndinga. Nous souhaitons donc un joyeux anniversaire à Madame Mélina Balouba. Vie heureuse, vie 100 ans, Madame Mélina Balouba. Voilà, c'est par ici. Joyeux anniversaire, Madame. Clos à cette émission. Bonheur, il est amoureux. Fatigue à l'humain, Maxime aussi, tu es amoureux. Tu restes un tenniste. Au revoir.